Some pieces are back together now. What's your vision? Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Et on va aujourd'hui parler avec notre Google Home. Notre Google Home qui a de nouvelles applications. Et comme d'habitude, je vous les fais partager. J'espère que vous allez pouvoir participer avec moi en même temps aux questions. Dites-moi en commentaire combien de bonnes réponses avez-vous eues. Ensuite, nous verrons la deuxième application. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et de liker et de partager avec vos amis. Beaucoup de vidéos ont été faites sur ma chaîne sur le Google Home. Donc c'est parti pour lancer la première application. Et on va demander à notre Google Home de parler avec Quiz Géo. C'est parti, on essaye de répondre ensemble et dites-moi ce que vous avez trouvé comme bonne réponse. Bienvenue, vous voulez rejouer à un quiz test. Attention, c'est parti, une première question pour vous. Quelle est la capitale de l'Irlande? Basseterre, Dublin ou Kuala Lumpur? Basse-test. Prochaine question, c'est parti. La réponse était Dublin. Question numéro 2, c'est reparti. Quelle est la capitale de la Grèce? Honiara, Athènes ou Roseau? Athènes. Beau travail, Athènes. Vous allez aimer celle-ci. Quelle est la capitale de la Jordanie? Amman, Montevideo ou Lima? Amman. Absolument, Amman. On enchaîne avec la question numéro 4. Quelle est la capitale de Guyana? Port-au-Prince, Georgetown ou Kampala? Kampala. Non, dommage, c'était Georgetown. Vous aurez plus de chance la prochaine fois, Georgetown. Installez-vous, préparez-vous, c'est parti. Quelle est la capitale de l'Indonésie? Jakarta, Asuncion ou Kingston? Jakarta. Et c'est une bonne réponse. Jakarta, question numéro 6. Attention, c'est votre dernière question. Quelle est la capitale de la Guinée équatoriale? Guatemala, Malabo ou Jérusalem-Est? Malabo. Absolument, Malabo. La partie est maintenant terminée. C'est l'heure d'afficher les scores. C'était plutôt pas mal. Vous avez obtenu 6 bonnes réponses. Bravo. Est-ce qu'on peut rejouer? Dites, s'il vous plaît. Non. Voilà donc pour jouer en famille, entre amis, le week-end, le soir, ou même tout seul. Si vous ennuyez, on peut se lancer un petit quiz géo. Et c'est parti. Vous allez pouvoir jouer sur les capitales, sur la géographie. Moi, je trouve ça vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le Google Home s'améliore vraiment de plus en plus en termes d'application, en termes de jeu, en termes de quiz. On va passer donc à la deuxième petite application. Vous allez peut-être apprécier celle-ci par rapport à ce qu'elle va vous permettre de faire. Donc c'est parti pour la seconde. Let's go. Pour la deuxième application, on va donc lui demander de parler avec recette du moment. Bien sûr, voici recette du moment. Bonjour, voici nos trois plats de la semaine. Recette 1, aiguillette de poulet au sésame. Recette 2, pavé de saumon à l'asiatique. Recette 3, filet mignon de porc au cidre. Quel numéro de recette souhaites-tu préparer? Recette 3. C'est parti pour la recette filet mignon de porc au cidre. Pour 4 personnes, tu as besoin de un filet mignon d'environ 1 kg. 3 quarts d'une bouteille de cidre. 10 champignons de Paris. 200 g de tomates confites. 3 décilitres de crème fraîche. 2 oignons. 40 g de beurre. Cette recette te prendra 30 minutes de préparation et 1 heure de cuisson. Dis-moi quand tu es prêt. On est prêt. Commencez par éplucher et émincer les oignons. Lavez et coupez les champignons en lamelles. Veux-tu passer à l'étape suivante ou que je répète? Étape suivante.
dans une cocotte, faites fondre le beurre et faites revenir les oignons et les champignons. Déposez le filet mignon dans la cocotte, versez la moitié du cidre et faites cuire une trentaine de minutes en couvrant. Versez le reste du cidre et continuez la cuisson pendant encore 20 minutes. À la fin de la cuisson, ajoutez les tomates puis incorporez la crème fraîche. Salez, poivrez et mélangez. Peux-tu donner une note de 1 à 5 à la recette ? 4. Merci pour ta note, bon appétit et à bientôt pour découvrir de nouvelles recettes de nos chefs. Voilà donc, comme vous avez pu voir, on nous donne 3 recettes essentielles de la semaine. On peut donc, par étapes, les suivre. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner et de partager et de liker cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous !